des professionnels de l'EHPAD, nous sommes preneurs d'autres idées pour que dans la limite des effectifs que nous pourrons mobiliser compte tenu des financements qui nous seront alloués, nous mettions en œuvre les organisations les plus adaptées à la prise en charge de nos résidents. Mais je ne ferai pas de miracle. Je ne pourrai pas financer des emplois que les ressources qui nous seront servies par l'État d'une part et par le Conseil départemental d'autre part ne me permettront pas de financer. Dans la limite de ces financements, nous sommes preneurs de tous les modèles d'organisation, de toutes les idées qui permettront d'améliorer la prise en charge. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il me semble, mais peut-être mes informations sont erronées, qu'un certain nombre de tests sont en cours dans les unités en ce moment pour essayer de voir dans quelle mesure des organisations diverses permettraient d'éviter une dégradation trop importante de la prise en charge des résidents. Je reste sur cette longueur d'onde-là. Si d'autres idées peuvent émerger, nous les étudierons. Cela va de soi. Le problème de fond auquel nous sommes confrontés, c'est l'inadaptation profonde de l'EHPAD de Charles Drouet à la prise en charge de personnes âgées. Et c'est à cela qu'il faut d'abord et avant tout que l'institution travaille. Il faut que nous réfléchissions, en particulier ici, au niveau du Conseil de surveillance, à l'avenir que nous réservons à la prise en charge des personnes âgées au centre hospitalier du Mans. Ma prédécesseure, dans le cadre du projet d'établissement, a défini des orientations d'un projet gériatrique. Il m'appartient maintenant de le mettre en œuvre. Nous avons lancé ce travail, nous allons l'approfondir et nous allons chercher avec l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des personnes âgées dans notre département, les meilleures solutions pour pouvoir faire des investissements qui nous permettront, dans un cadre différent, de prendre en charge les personnes âgées qui s'adressent à nous. C'est ça l'enjeu du futur, et il ne faut pas que nous le